cube. Et ben on est toujours sur Céleste. Et on va essayer de... De continuer le chapitre 9. Enfin, on va essayer. Non, on va continuer le chapitre 9. On va juste voir où ça nous mène, quoi. Oui, j'appuie sur le fait que le chapitre 9 est plutôt hardcore. Oui, oui, non, ça on est d'accord. On est d'hardcore. Désolé. Donc ouais, faut que je saute là sur les petits trucs là. Les trucs et les machins. Donc là, faut que j'arrive là. La dash vers le haut. Corner jump. Ensuite, j'arrive là. Je saute sur le... Ah mais je saute sur le truc qui... Je saute sur le trampoline, mais au dernier moment, histoire que ça se... Ça s'en aille. Quand je fais le rebond. Je chope les deux dash. Dash go droite, dash haut. Redash droite pour arriver sur le truc bleu. Le truc vert. Après je saute. Ouais. Ah ouais hein. Merde. Pas ça du tout. Easy, ouais. C'est exactement ce que je me disais. Il y a un truc comme ça. Merde. J'ai sauté un poil trop tôt. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Hop. Comme ça on arrive là. On arrive là. Ah d'accord, faut encore que... Oui ok, c'est bon, j'ai compris. Hop, on arrive là. Tac. Merde. Trop tôt. Lan trop tôt. Lan trop tôt. Bon là c'était nul mais merde, qu'est-ce que j'ai foutu? C'était beau quand même, merci beaucoup. Tac, 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 tac. Non. Mais si, mon objet saute. Mais non, ah, non mais je pige pas. Est-ce que si, en fait je dis je saute au dernier moment mais je peux pas vu que. La plateforme verte n'existera plus. Merde. Salut Grand Yves, comment ça va? J'apprends le rythme avec Céleste. C'est un nouveau jeu. Céleste est devenu un jeu de rythme. Merde. Tu t'accroches sur le côté du bleu avant de prendre le trampoline. Ah putain, bien vu. Bien wesh. N'hésitez pas à aller voir les speedruns de Silent sur Mario 3D World. Hein. Elle n'oublie jamais Ah zut. Elle n'oublie jamais de prendre le drapeau. Ne vous inquiétez pas.
C'est une professionnelle. Merde. et du coup, ouais, non, moi ça va, ça va, ça va. On a fait un bon stream Isaac ce matin, c'était cool. Et puis voilà, donc du coup, je peux me permettre de faire du Céleste cet après-midi. Vu qu'on a bien avancé sur Isaac, c'était cool. Waouh. Merde, j'ai vécu mes meilleurs moments de solitude avec les drapeaux à haine, ouais. Eh oui. Nah, mais c'était tellement drôle. Dommage. Ah, un peu trop tard. J'étais limite là. Hein. Mais merde, c'est chiant ça. C'est le truc le plus chiant en fait. Ah! C'est trop court. On me l'a déjà dit. Hop. Non! J'ai fait. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas sauté en fait. Je devrais juste me lâcher, je pense. Non. Too late. C'est original. Je l'avais jamais fait. Je tape trop tôt en fait. Ah merde. Ah, là aussi je tape trop tôt. Eh mais est-ce que je peux pas... Attendez, je suis un connard hein, donc... Merde. Ah, j'y arrive plus. Eh. Eh. Vous avez vu ça? Merde. Quand j'y arriverai de nouveau mais... Eh, on voilà. Déjà, on va aller plus vite. Hein. Merde. Bon, peut-être pas, mais. C'est ça, le speedrunner est en moi, là. Pourquoi j'arrive pas, là? J'arrive pas. Aïe! Dommage. Chut. Non, loupé. Ah merde, là j'ai fait une diagonale. C'était une bêtise. C'est bleu, orange, enfin bleu-violet, jaune,
Bleu. Violet. Jaune. Bleu. Violet. Jaune. Bleu. Violet. Jaune. Bleu. Oh, c'est pas ça. Bien. Ah, on peut le faire direct, tiens. C'est rigolo, ça. Merde, trop tôt. Aïe. Le double trampoline improvisé, là, c'était beau. Ouais, c'était pas improvisé du tout. Hein. C'était évidemment voulu. Je ne vois pas pourquoi tu dis que c'était improvisé. Alors que pas du tout. C'est moche. Ah, c'est moche le jeu. T'es moche. T'es moche. T'es moche le jeu, hein. Je sais que t'es moche. Oh là là, vous voyez le truc qui ressemble à un O là, le rose. Il faut arriver à rentrer dedans et à choper le bord, le mur gauche. Et uniquement ça, sinon baiser. Salut Number 80, comment ça va toi? Comment tu vas? Ça va être chouette hein. Oh là là, on va bien s'amuser hein. Attendez, est-ce que là déjà faut que j'arrive hein. Là déjà faut que je commence avec un wave dash déjà, c'est obligé. Ouais c'est ça, c'est wave dash. Obligatoire. Ah oui d'accord, après faut que je récupère. D'accord, ça marche. Merde. T'as été au soleil? Oh là là, le mec. Merde. Faut que j'essaie de tempo un peu plus. J'ai voulu sauter mais j'ai pas réussi. Je sais pas pourquoi. C'est une connerie. C'est bon. Déjà j'ai pas perdu le wave dash en fait. Déjà j'avais peur de reprendre aujourd'hui et d'avoir perdu le wave dash, mais a priori il est toujours là. Hein. Ah merde, c'est chaud ça par contre. Parce qu'il faut que je garde un. A priori il faut que je garde un dash quoi. Est-ce que je peux wave dasher direct? Non. non, ça ne marche pas. Merde, je suis pas assez éloigné donc du coup. Trop tôt, je le savais.
En fait, faut que je temporise un peu, je pense. Merde. J'ai pas sauté, et... Ah. Ah, nous avons un follow. Ah merde. Salut Daruk. Merci beaucoup pour le follow. Merde. Ah. Ici King Knight sur son deuxième compte. Ah ok, d'accord. Bah merci quand même. Merci pour ton deuxième follow du coup. Ah. Il chante que du reggae. Ouais, exactement. Merde. J'ai oublié qu'il y avait un jeu. Faut monter quoi. Ah puis faut vraiment que je garde un dash en fait, sinon c'est foiré. Hein. Enfin je vois pas comment je peux faire si j'ai pas gardé de dash. Tellement trop tôt, marche pas. Trop tôt. Ça s'amuse bien, hein. Trouvez pas? Voilà en fait. Ah merde, trop tôt. En fait j'ai compris, il faut vraiment que... Voilà. Hop. Faut vraiment que je parte de vachement haut. Et que je saute mieux. Mais sinon... La musique est ouf. Ouais, bah Lenarine a vraiment fait un boulot exceptionnel. Vraiment le jeu ? Oh, putain. C'est vraiment... hyper précis. Hein. Trop loin en fait, là je suis allé trop loin.
J'ai compris ce qu'il fallait faire, mais je me suis planté en fait, donc du coup. Ok, j'ai pas. Quel skill incroyable! Attends. Attends que j'ai fini. Pour me dire ça. Ah, y a beaucoup de gens qui me disent moi j'aurais arrêté depuis longtemps. Ah, merde! Mais c'est ma seule qualité dans le jeu vidéo, c'est que je persiste et je gagne. Oh, puis c'est jamais les mêmes timings, hein, c'est ouf. Hein. Ils se foutent de notre gueule. Hein. Attendez, faut faire quoi là? Je suis pugnace. Là, le truc là, qu'elle a dit. Je suis nul sur ces jeux. Mais, en fait, ouais, non, j'ai du mal à croire, moi, qu'on puisse dire, bah voilà, je suis nul à ces jeux-là. Enfin, c'est... moi, c'est juste que je joue à ça depuis que je suis môme, quoi. Donc, je confirme que moi, j'aurais tout cassé bien avant toi. Oh non, là, par contre, ouais, non, je ne casse pas le matériel. Ça serait bien dommage. Et, je sais même pas par où faut aller quoi. Est-ce que je peux faire un wave dash là, et arriver directement au jaune? Vous y croyez ou pas? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez en moi? First try. Alors plus jamais quelqu'un me dira que j'ai pas de skill. First try quoi. Eh non mais putain j'hallucine quoi. Je l'ai first try le truc quoi. Alors là j'ai l'impression que ça va plus vite. Oh là là, mais non, va falloir trouver dans quel sens faut les prendre. on arrive où? Je vais avoir que... J'ai qu'un dash. Donc là, faut y aller. Est-ce que je peux foncer dans le truc direct? Non, mauvaise idée. Faut que ça soit sur le bleu en fait quand je pars. Voilà. Merde. Oh c'est bon, regardez. Hop là. Oh là 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 là. Oh les petits malins. Hein. Oh c'est des petits rigolos hein. Attendez. Ouais, donc déjà, wave dash. Wave dash pour arriver sur le bleu. Sur le bleu, je saute là. Ça va bloquer le jaune en fait. Ah non, bah non, mais je peux pas rester, je suis con. Ah, il y a un truc en bas, d'accord, ok. Là. Après le bleu, je rebondis.
Le bleu pave, je rebondis. Je pense qu'il faut faire un... Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, merci Genius. Ah, pour une fois que quelqu'un clip, pas un fail, mais clip un first try. Tac. Un peu trop tôt, je pense. Ouais. Voilà. Ah, faut que je refasse un wave dash. Putain, faut que je refasse un wave dash en fait, non? Non, c'est pas... Merde, le con. Trop tôt. Dommage. Trop tôt. Trop tôt. Là, je saute là. Hop. Bah, bah, bah. Ah bah oui, merde. Voilà. Merde. Ah zut. Merde. Je suis la grenouille corse. Admire ma beauté. Ça y est, t'es encore ébou, toi. T'es encore ébou, toi. Hein. Merde. Ah, je préfère mourir. Trop tôt. Merde. Voilà. Oh. Zit. Merde. Ah zut, pas assez vite. Ok. Putain, quand il a pas apparu quoi. Je l'ai loupé. Je vais loin quand même hein. Tu as mangé un petit quelque chose, et bah bonne app. Moi j'ai préparé le thé. Et j'ai mon petit gâteau que j'ai fait hier. Merde, il faut que j'avance un peu quand même. Merde, bah, trop tard. Blablabla, trop tard. Dommage. Eh, je l'ai réussi bien mes deux F-dash, hein. Mais merde, non. Ça, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Non, faut pas faire comme ça. Ah, non, on a loupé. Loupé. C'est dégueulasse. Ouais, j'en doutais que c'était trop tard. Mais arrête! Arrête le jeu. Mais non, mais y a des... en fait, on commence pas vraiment au même moment, quoi. Il y a un petit truc, hein.
je pense avoir compris du coup. Merde. Ça doit être un truc comme ça. Shit. Oh, je l'ai pas eu. Merde. Ah bah. Des fois, il passe pas. Hein. Quoi ? Normalement, il apparaît pas. Moi, je suis dedans. Non, mais non. Ah, trop tard. Bah ça commence vraiment pas au même moment quoi. Ah pas grand chose. Là, il apparaît pas. Ah j'étais un petit peu trop loin. Ouais voilà. C'était nul. Ah c'était nul. Non. Trop tard ouais. C'était original. Nul mais original. Petit jeu de bites. Faut que j'aille tout droit. C'est chelou. Merde, j'ai oublié de tenter. Ah, il y a peut-être un truc, quoi. Merde. C'est peut-être... C'est peut-être tout droit, mais de manière mieux exécutée. Non mais trop, non mais non. Le jeu là qui spawn, il y a déjà le truc bloqué déjà là. Mais merde, oh, bah j'arrive plus. Bah ça y est. Ça y est, c'est cassé. J'ai cassé le jeu. Non, tout droit, tout droit. On t'a dit tout droit, mec. Tout droit. Oh là 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 là. Là 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 là. Merde, merde. Mais non, mais... Bah ouais, non, mais c'est trop tard, là. J'ai
pas l'impression que j'y arriverai comme ça. C'est bien ça. On t'a attendu pour du Gartic Fun hier. Ah bon? Mais j'ai jamais fait du Gartic. J'étais bien trop occupé avec le jeu que j'étais en train de jouer hier. Je devais être sur Céleste hier. Nanana. Merde. Et bah des bisous Darouk. Merde. Ou King Knight, ou qui que tu sois. Quoi que tu fasses. Mais pourquoi je fais ça? On a commencé, t'étais sur Mario 3D World. Ah bah c'était hier soir alors, c'était hier soir. Ah j'en étais... On était sur 3D World avec avec Genius qui est dans le chat et qu'est-ce qu'on s'est marré quoi. On s'est vraiment bien marré. Il y a un truc. Eh ben dites pas qu'il faut faire un wave dash quelque part quoi. Mais c'est encore jaune là, saute pas. Putain, je commence à fail sur des trucs que j'avais. Non. Non mais trop. Non mais non mais non le jeu. C'est l'heure de la triche. C'est l'heure de la triche. La triche. Céleste. Il est l'heure de tricher. Ça j'ai fait. Ça j'ai magistralement remporté ce truc là. Cette phase là. Ça j'ai fait aussi. Ça, j'ai first try GG, mieux que le mec. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait wave dash. Wave dash. Ça, hop. Tac, tac. Ah, mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr, c'est évident. Quel idiot. Quel idiot suis-je? Quel idiot suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Regardez. Watch me first try maintenant que I know... Ah ça c'était pour déconner. Si vous n'avez pas d'humour, c'est pas ma faute. Hein. Merde, c'était nul ça. Tu nous diras quand tu commences le first try. C'est ça, c'est ça. Je vous dirai. Oh putain de merde. Il fait ça aussi lui. Ah, peut-être que c'est plus simple en fait, ouais. Ça c'est bah c'est con ça. Voilà, ça c'était très con. Mais non mais du coup je l'ai plus. J'essaie de faire comme le mec et c'est nul. J'arrivais mieux comme je faisais moi. Merde. Peut-être pas finalement mais.
Ça évite en fait de galérer à la remontée. Ah j'ai plus le... Ah merde, j'ai peut-être pas fait bien mon F dash. Mon F dash était peut-être foiré. Putain, qu'est-ce que je fous? Non, je piche pas. Loupé, looped. Trop tôt. Comment il fait? Bon, pas comme ça déjà, c'est sûr. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire, mais mieux quoi. Quel con. Ah là là, l'idiot. L'idiot du village. Ah, quel débile. Merde, faut vraiment... loupé, mais parce que... Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Toujours faire attention au pic, hein. Non, ouais, j'étais trop tôt. Pourquoi j'ai sauté à gauche? Non. Et ben voilà, first try. Chopez l'oiseau. Je t'ai eu. Pour finir. Et maintenant, où est grand-mère? En fait, c'est juste un piou-piou, quoi. Oh non. Ça va? Piou-piou. Je suis désolé. Je trouvais pas de mal. Attends. S'il te plaît, ne pars pas. Dis-moi moi si... Tu es une partie de grand-mère, c'est ça? Bon alors, puisque tu dois partir, emmène-moi avec toi. Madeline, arrête! Tu peux pas partir avec elle. Tais-toi. Tu n'as pas réussi à me faire abandonner sur la montagne. Tu pourras pas me faire abandonner avec grand-mère. Va-t'en. Je te force pas. Je te demande. Grand-mère me manque aussi. Ça signifiait beaucoup pour nous deux.
Alors comment peut-on... Alors comment peux-tu l'abandonner si facilement? Ce n'est pas facile. Vous êtes peut-être engagé là-dedans trop rapidement, mais ce n'est pas ça non plus. Je tiens simplement à ce qu'on survive à tout ça. Ils vont encore me faire chialer. Je sais qu'elle est morte, et que tout ce signe est qu'un rêve. Attraper cette oiseau ne la ramènera pas. Je suis tellement désolé, Madeline. Réveillons-nous et affrontons ça ensemble. Ah, je vais récupérer le... Non, pas tout de suite. Ah bah j'ai cru que j'allais récupérer le double dash, quoi. Je dois d'abord établir la situation. Que veux-tu dire? L'oiseau, il est enfermé ici à cause de moi. On doit d'abord l'aider à s'enfuir avant de partir. Grand-mère ne voudrait pas qu'il reste enfermé comme ça. Tu as raison, allons-y. Mais dès qu'on aura terminé, il faudra qu'on s'éveille. Cet endroit est si bizarre, je vais entrer à la maison. Allez, pause 2 secondes, je vais me chercher mon thé. Et je reviens tout de suite. Ah merde, si je mets pas le micro ça marche pas. Je parle tout seul comme un con. Je chantais le générique de Banga. Alors. Bah easy. C'est easy tout ça là. Regardez ça. Y'a rien. Bon, voilà, c'est pour déconner. Merde. Ah, il y a l'oiseau, il nous aide maintenant. Ok. Oh, c'est rigolo. Oh, c'est rigolo cette phase. Merde, ce que j'ai fait. Merde. Je joue plus en fait. Je suis plus en train de jouer, regardez. Merde. Un deuxième dash après. Ah, en fait, là ce qui est troublant, c'est que ça va vite en fait. Ah merde! Merde! Là j'avais quasiment réussi hein. Merci Rabia. Merde. Waouh, faut faire comment? Ouais. Quoi? Merde. Allez, forcément. Forcément, partons pas au bon endroit.
un truc. Il y a un truc à faire que j'ai pas compris. Tiens. Mais qu'est-ce que je fous là? Oh, merci. Ok. Ah, peut-être que je le... Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Il faut que je le lâche avant. Et là, hop. Merde. Vous voyez? Ah, me voyez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah voilà, j'ai même pas eu besoin de Badeline. Ok. Quoi? Ça va tellement vite. En fait, ça va tellement vite avec l'oiseau. Merde. Non, faut que je tape. Oh, ça va tellement vite avec l'oiseau, je vous promets. Fais-le ton truc là. Voilà, merci. Merde, faut que j'appuie sur le saut. Merde. Ah, quelle nappe. Ah, hop. Hop. Merde, ok, j'ai compris. Ça c'est de juste de l'apprentissage, de l'apprentissage, de l'apprentissage, de l'apprentissage, de l'apprenti, de l'apprentissage. Et non, je l'ai fait trop tard. Je l'ai fait trop tard, je l'ai fait trop tard. Et toujours les tardigrades dans le fond, c'est trop rigolo. Ils sont trop choupis les tardigrades. Joli. Oh, putain, à chaque fois hein. À chaque fois c'est le fail. Hein. Ah, attendez, j'ai un... Non, tu veux monter? Non, tu veux descendre. Mais à chaque fois, hein. Je vais me planter à chaque coup. Vous voyez que j'ai pas de skill finalement. Vite là, 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 GG, tout ça. Et finalement. Oh, oh non! Oh le pire fail! Oh le pire! Oh là là, il y a des fois. Des fois j'oublie hein. J'oublie que je suis en train de jouer au jeu et... Voilà. Hop. Oh là là. En fait faut y arriver au premier coup en fait. Le premier coup faut vraiment faut mettre le dash. Et après, quand il y a Badeline qui nous récupère, faut remettre le dash quoi. Regardez, hop, dashé, paf, elle nous envoie, redash. Merci l'oiseau quoi. Merde. Pourquoi les tardigrades? Ils ont quelle place dans l'ordre céleste? Pourquoi les tardigrades? Je pense pas. Je pense que c'est plus une vanne sur le fait que les tardigrades arrivent à.
Parce qu'il n'y a, a rien dans le lore de Céleste sur les tardigrades. Mais c'est juste une vanne par rapport au fait que les tardigrades peuvent survivre dans l'espace. No joke, hein. Les trucs increvables quand même. Hein. Ah, bon, wave dash. Les tardigrades, ouais, dans, dans l'espace, il n'y a pas de problème. Hein. Ils arrivent à survivre. Oh là là, mais ça, ça va tellement vite, c'est trop cool. C'est moins cool là. Ah non, faut aller en haut. Faut aller en haut. Faut que je temporise là, d'accord. C'est marrant parce qu'il y a... Comment on peut récupérer notre dash en haut là avant? Oh, il va y avoir un truc de... Je cherche peut-être compliqué là où en fait c'est faire simple. Quel naze. J'arrive à passer, je fail comme un caca derrière quoi. Un peu trop tôt. J'ai pas dit first try, hein, mais... Pas mal quand même, non? Non. J'ai mieux réussi la première fois. Ah! Non, mais non, c'était une diagonale que je veux faire. Là, c'était pas une diagonale que je voulais faire. Et là, c'était une diagonale que je voulais faire. Mais merde, je veux faire une diagonale. Ça y est, je commence à me foirer sur les diagonales, pas diagonales.
Ce n'est généralement le moins bon moment du jeu, c'est quand je commence à galérer là-dessus, quoi. Mais merde. Voilà. Tout F dash là. J'ai pas changé assez rapidement au stick analogique. Et du coup, ça m'a posé problème. Mais j'ai lâché pour changer les sticks analogiques. Ah merde, pour passer au stick analogique et finalement. Voilà, je l'ai pas fait avec le truc, mais je l'ai fait. Hein. je l'ai pas fait avec la plume. Mais l'important, c'est que j'ai réussi sans tricher. Ah oui, d'accord. Dommage. Ah merde, c'était là, ok. Merde. J'ai refait la même. C'est un bonk ton emote ? Merde. Oui, bonk, d'accord. Jouer les mains dans le dos. Putain, ça tue. Alors j'ai le truc là. Ah oui, est-ce que je peux vous remettre... Je pourrais vous remettre la sidecam. Putain, les mains dans le dos, quoi. Putain, Melzical. Je fais que le tableau là, hein, par contre. Hein. J'en fais pas plus. Mais... Ah putain, ça va être galère. Attendez. Est-ce que je vais niquer tout le setup? Probablement. Ah merde! Merde. Le fond vert va pas assez haut. le micro. Pourquoi? Ah mais merde. Ça c'est le maximum, ça. Vous avez évidemment l'impression que je suis nain, mais pas du tout. C'est quoi la manette? C'est la 8-bit Do. C'est la 8-bit Do. Alors, je joue manette dans le dos. Hein. Manette. Dans le dos. Alors, je fais que ce tableau-là. Hein. Enfin, je joue mieux avec la manette dans le dos finalement. Merde. Ouais, ok, faut garder les deux dashs, quoi. Et... Merde. La Ibido, très bien, ouais. Bah d'ailleurs, est-ce que t'as... Y a Mathieu qui m'avait parlé pendant un temps qu'il avait des problèmes avec la manette. Est-ce que c'est toujours le cas ou... Merde.
Et hop, tableau fait. Zbra. Et on se rassoit. Ah. Shishayu s'en sera incapable. Ouais, c'est ça. Ouais. Shishayu, il fait des runs de... Shishayu, il a déjà fait des runs de Isaac au pied. En jouant au pied. La manette, au pied. Et il fait des runs de Isaac. Donc, non, je pense que jouer les mains dans le dos, c'est OK. Alors, pour l'explication, ce n'est pas la première fois que je joue avec les mains dans le dos. Puisque régulièrement, quand je joue avec mes nièces à Mario Kart, c'est ce qu'on me donne comme handicap sur Mario Kart, en fait. Histoire de baisser un peu mon niveau. Régulièrement, je joue avec les mains dans le dos. Histoire que ça soit fair pour tout le monde. Ok. Merde. Je l'ai laissé partir. Merde. Non. Ah oh, zut. J'étais pas mal. Hein. Ah merde. Est-ce qu'on peut le faire en un passage quoi? La question est là. Faut que je mette un petit délai. Là je mets un petit délai. Est-ce que ça va être bon? Ah merde. Va falloir que je trouve le bon délai en fait. Pouvoir passer ici. Ah! Oh, merde. Oh, un clip. Ah. J'ai paniqué. Ah, merde. Putain, mais que... va y avoir... que de clips avec du bon gameplay aujourd'hui, quoi. Oh, putain, merde. Ouh. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux clipper les fails si tu préfères équilibrer. Bah, en même temps, il n'y en a pas des masses. Enfin, il y a des fails parce que... parce que oui, j'apprends quand même les stages, mais... j'ai pas l'impression qu'on fail beaucoup aujourd'hui. Attendez, regardez, hop. Évidemment, je ressaute pile dessus, hein. Ah non, mais non, j'ai qu'un... ah merde. Merde. Désolé. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le jeu là?
Il y a 30 000 trucs qui se passent à l'écran. Merde. Ouah, faut faire quoi? Peut-être faire un saut. Peut-être faire une diagonale. Merde. Bah. Merde. Il y a la musique qui commence à devenir intense. Je pense qu'on est pas loin de la fin là, hein, quand même. Ah, ah, je peux me coller au truc. Ok. J'ai peut-être pas de dash à faire direct. Faut peut-être que j'attende un petit peu. Regardez, je peux faire ça. Paf, ça me colle ici. Ensuite. Voilà. Merde. Ah, il y a peut-être un truc là, ouais. Je pense que les gens qui speedrun le passent pas comme ça. Mais je speedrun pas. Donc. Ok, non. Ok. J'ai combien de dash à ce moment-là? Un seul, hein. Ouais, j'ai qu'un dash. Ok. Ah merde, d'accord. Ouais, d'accord, ça nous mène dans le... Ça nous met dans l'électricité, donc faut pas aller jusqu'au bout, faut sauter avant. Maintenant je le sais, donc plus jamais... Je ne perdrai. Ah! J'ai pas cru. J'y ai pas cru. Merde, d'habitude je me fais toujours attraper là, donc je me suis dit bah je vais me faire attraper. Effectivement, des fois il y a du fail hein, quand même. Hop là. Oh non! J'ai glissé, chef! Ça compte pas normalement. Quand on glisse. Quand on glisse, ça compte pas. Oh. Quand on glisse, normalement, c'est comme quand... Hein? Attendez. Quoi? Est-ce que je peux y arriver à sauter aussi loin là-bas? Ouais. Mais par contre... Comment je fais? Merde, il y avait... Oh d'accord, il y avait Badlin qui était en bas. Kong! J'avais pas vu Badlin en fait. Des fois je fais des proutes hein, quand même. Hein.
What? Hein? Non, déjà ça c'est nul, mais ça sent le... Ah non, j'ai plus de dash à ce moment-là. Ah non. Je l'ai pas là. Il y a peut-être ça, d'accord. Il y a peut-être un truc dans le genre. Il y a un truc dans le genre, ok. Putain, mais fallait aller où? Fallait aller où? Le jeu. Merde. Putain, mais faut aller où? Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a Badeline, ouais, mais oui, mais t'as vu, elle se barre en fait à droite. Merde. Ouais, faut attendre les... C'est ce que je suis en train d'essayer de faire en fait. Pourquoi elle se barre pas là? Hein? Merde! C'est pas ça qu'on voulait faire. Ah mais je peux l'avoir, oui d'accord, c'est bon. I've got it! Ah non, il y en avait un en bas, il y en avait un en bas. Et donc effectivement, il faut qu'il y ait les bumpers.
Ah merde, d'accord, ok, c'est bon. J'ai compris. J'ai fail sur une toute petite partie, hein, c'est bon, ça va. Merde. Attendez. Ah bah non. J'ai refait. Mais je m'approche, hein. Je m'approche. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on s'approche. Hein. Merde. Hop là. Eh bah oui, après faut que je... Ok. Allez, d'accord. Ok, wave dash. Merde. Ouais, mon wave dash était foiré. Merde. Merde. Le wave dash était pas bon. Merde, re un web dash. On va web dash et sur une étoile ou sur un oreiller. Oh putain. Ah c'est drôle, franchement c'est drôle. Merde. Je l'ai encore foiré. Merde. Il y a plusieurs web dash à la suite, c'est Oh les salauds. Les salauds. Ah, oh, c'est des salauds des fois quand même. C'est des salauds. Parce qu'à chaque fois qu'on a l'oiseau en fin de... C'est, non mais c'est, enfin voilà, on sait que c'est fait exprès mais... Hein. À chaque fois qu'on a l'oiseau... Merde. À chaque fois qu'on a l'oiseau en fin de... En fin de tableau comme ça, on sait que c'est la fin. Et là il casse le... Merde. Il casse le truc quoi. Merde. Wave dash loupé. Oh. Ah merde. Ah ça y est, y a mon cerveau, il a fondu. Hein. Il restait déjà pas grand chose, mais là ça y est, le cerveau a complètement fondu. Hein. Merde, loupé. C'est facile. J'ai chaud. Merde. Ça, il est chaud celui-là. Hein. Ah,
Ah. Putain. Putain. Merde. Il est chaud à faire le deuxième. Hein. J'arrive plus. Merde. Putain, j'y ai cru là. C'est mignon ce que j'ai fait, mais du coup ça servait à rien. Ah mais merde les diagonales. Vous vous rendez compte que j'aurais passé au moins 7h41 sur ce niveau. ...7h41 de ma vie. Ok. Putain, il est passé. Putain, il est passé, hein. Oh là là, faut dasher à la fin. Les salauds. Oh là là, les salons, on vous déteste. Oh quoi? 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 Mais que quoi? Que quoi? Mais merde, oh non, merde, mais hein, quoi? Faut que je wave dash? Comment? Merde, c'est pas ça! C'est pas ça. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je sais pas s'il faut que je... Attends, je veux webdasher partout maintenant. Alors qu'il n'y a pas besoin en fait. Vous avez vu? Oh, d'accord. Faut que je monte. Je crois qu'on est pas loin de la fin quand même. Hein. Vous avez vu, il y avait l'oiseau. Ah non, regardez, il est là. Ok. Ah, oh, putain, encore falloir te retrouver. Super, super. Non. Je bois un coup. Je bois un coup là. Besoin de boire un coup. Oh, faut passer entre les deux. Ah bah on peut passer entre les deux hein, mais ça sert à rien. Ah quoique. Je sais pas. La 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 la.
je le fais trop tôt en fait. Je le fais trop tôt. Ah. Ah, il y a peut-être un truc comme ça. Hein. Putain, c'est chaud. Hein. Ok. Bah alors Madeline. Ah putain merde, à chaque fois je fais un saut vers le haut, faut que je fasse une diagonale. Ah mais non, mais j'y étais pas là. Ok. Arrête le jeu. Je suis pas dedans là, on est d'accord. J'étais vraiment pas dedans, mais. Comment on fait avec lui? Comment on passe? Attends, attendez. J'ai loupé un truc là où. Comment on passe? J'ai loupé l'oiseau peut-être? Y a l'oiseau quelque part? Non mais il est où l'oiseau? Hein? C'est en haut? Je l'ai pas. Putain, faut faire ça. Oh là. Oh, je suis fatigué. Hein. Oh, je vous promets, je suis fatigué. Hein. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi. Ah, bah. On est bien. J'arrive pile dessus en fait. J'ai l'impression. Est-ce que faut que je la. Ouais, faut que je le retrouve en bas en fait. Faut vraiment que je lui saute sur la tête. Hein. Waouh. Non, t'es pas vu, mais si. Mais si. Merde, je fais une diagonale. Ouah, mais merde. Mais comment. Hein. Ah, je suis paumé. Tous mes repères s'effondrent. Comment on fait pour tomber pile dessus quoi? A sublime. Trop tôt. L'âne trop de merde. L'âne trop tôt. L'âne trop tôt. Oh non, mais je suis pas dessus. Arrête.
Manger le micro. Il doit y avoir une strat, hein, mais... Arrête de faire ça! Je fais une petite pause... pour me détendre. Ah merde, j'avais laissé la vidéo tourner. J'ai fait. Attendez, ça j'ai pas fait. Ça j'ai fait. Alors, non, mais je me détends là. Là, je me détends. Hein. Vous inquiétez pas, je suis juste en train de me détendre. Hein? Attendez, paf. Attendez, parce que là faut que je le passe. Mais qualité, on s'en fout. Vitesse de lecture 0,5. Bim. Ok. Bon bah, et quelle heure? Et quelle heure? 16h59. Et bah, j'espère que vous êtes là pour la nuit. Hein. Tout ce qui fait ça, mais... Voilà. Voilà un peu ce qu'il faut faire, mais mieux. Mieux que ça. Merde. J'ai tellement mind brain là. Oh là là, mais comment on fait? Oh, c'est ouf. Oh, c'est ouf, hein. Bah, j'ai compris comment passer le truc là, mais la suite est pas vraiment plus simple, quoi. J'avais trop de vitesse. Ouais, en fait, faut vraiment que je fasse un saut vers le haut et pas une diagonale en fait. Faut pas que je saute directement vers le poisson. Pas comme ça, vous voyez.
Et voilà, faut faire un saut vers le haut pour pas avoir trop de vitesse. Et après faut arriver quand même à sauter quoi. Putain de merde, je l'ai plus. Je l'ai plus, je l'avais. Je vous promets, je l'avais hein. Merde. Ah putain. Allez. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Ça pas bien. Ça pas bien non plus. Oh mais arrête, ça tu sais le faire. Tu sais le faire ça. Non. Merde. Je l'ai plus. Je l'ai plus. C'est fini. Barrez-vous. Barrez-vous, je l'ai plus hein. Et il n'a plus qu'un dash. Oh mais merde, trop près. Là par contre, ouais, j'étais dedans. Autant il y a des fois là où je gueulais un peu, mais ouais, j'étais pas dedans là par contre. Même si j'aurais dû. Aïe! Oh, chito chito. Oh non mais non, je suis pas dedans là. Arrête. C'est relou hein. Ou alors j'ai loupé un truc. Trop. Ouais, trop quoi. N'est-ce pas là l'expression trop. L'âne trop haut. L'âne trop haut. C'est vraiment pas rigolo. Que j'aille à droite avant en fait. Avant de tabasser le truc. Je suis en train de me demander en fait. Parce qu'il fait pas comme ça dans la vidéo, mais c'est un speedrunner quoi, donc enfin, c'est un bon. Moi je suis mauvais. Okay, hein. Est-ce qu'il me restait un dash? Est-ce qu'ils m'en ont remis un après? Merde, quand le truc a pété, est-ce qu'il m'en revient un dash? Là est la question en fait. S'ils m'ont remis un dash, c'est beaucoup plus simple comme ça en fait. Oh non! J'ai pas appuyé pour aller à droite. Oui parce que là quand vous croyez que l'oiseau il nous envoie automatiquement, en fait pas du tout. Que nenni. L'oiseau si on appuie pas dans la bonne direction, et bah ça nous balance mais de manière faiblarde. Donc il faut toujours appuyer dans la bonne direction. Et quand vous voulez prendre 2 secondes de repos, et bah c'est foutu. On met une fraise dorée là-dessus quoi. Vraiment hein. Les mecs sont des oufs. Hein. Oh là là, merde. SB.
Ah oui, mais oui, ils m'en remettent un, j'ai pas appuyé alors qu'ils m'en remettent un dash. Ah, cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, on y croit. On y croit, on y va. Voilà. Bon, un petit coup. On se rapproche de la fin. On se rapproche de la fin. Combien? 8 heures. Alors, qu'est-ce qu'on a là maintenant? Non mais bon, je peux pas le faire normalement. Ouais, voilà. Ah, faut le lâcher avant. D'accord, ok. Lâcher avant tomber, faire tac 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 pouf. Ouais, ok. Tac 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 pouf, hein, vous avez bien compris. J'espère que vous avez compris comment je parle maintenant. Hein. Merde. Vous faites tac 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 pouf et c'est ok. Depuis le premier niveau, chaque niveau que tu passes rapproche de la fin. Oh, elle se moque, elle se moque. Vous croyez qu'il faut vraiment que je tabasse le gars là en bas ou pas? Je pense, hein. Je pense qu'il faut que je fasse des wave dash aussi là. C'était beau. Oh, c'était beau. Merde. Merde. Même moi, j'ai pas osé. J'ai pensé la même chose très fort. Ah, mais parce que vous êtes plus intelligentes que moi, les filles. C'est tout. Je crois que je me suis rapproché de la fin encore. Ah, ça y est, on est presque sorti. Faisons-le pour grand-mère. Pourquoi je me dis que ça va être horrible? Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai l'impression que ça va être horrible? Mais regardez, regardez, regardez. Voilà, il y a un tableau. Il y a un tableau, c'est du vide. À un moment, je vais être dans le vide. Là, juste le vide. Hein? Hein? Mais comment? Non, s'il vous plaît. Ah non. Y'a pas d'obstacle mortel. Ah ouais, c'est pas vrai. C'est pas faux. Ah, j'ai pas vu ça comme ça, ouais. Ah merde, non, c'était pas ça. Ah bah je vais le faire à ma manière, moi, le niveau, hein. Ah d'accord, ok. Enfin, je pense. Mais non. Oh mais... Et qu'il est con, le con, hein. Mais je vais pas y arriver. Asbi.
Faut que je vois comment dans... Dans quel sens j'arrive. Ah genre j'ai eu zéro boost quoi. Mais faut qu'il remonte. Ah voilà, comme ça. Comme ça. Non. Mais non, mais non, mais... Oh le jeu... Oh mais oh le jeu... J'ai fait comme... En fait je sais même plus comment j'ai fait. Hein. Je pense que c'est un coup de bol. Hein. Faut vraiment ouais faut balancer au bon moment quoi. Voilà. Oh, mais non, mais oui, bah oui, mais non. Si je me jette dans l'activité, ça ne les fait pas. Ça ne va pas l'effectuer. Wow. Voilà. Je suis un connard. Il me le faut encore quoi. Faut le garder jusque là. Hein. C'est ouf. Faut avoir la bonne vitesse et tout. Oh là là, c'est. Mais arrête. Qu'est-ce qu'on rigole? Mais non, mais putain, mais c'est un. Oh mais... Nique-toi. Nique-toi le jeu. Ça semble drôlement drôle. Ouais, tellement drôle. Ah oui. Ah bah voilà, j'allais trop vite. Ah ouais, là, je m'amuse bien. Hein. Hop, ça c'est bon. Oh merde. Faut être proche des trucs, mais pas trop proche, sinon tu te prends la max. Et merde.
putain. Sans blague. Pourquoi ils nous ont mis un truc ici, quoi? Attendez. Ah oui, d'accord. Allez, je vois le genre. Non, je sais pas en fait. En fait, je vois pas le genre. Mais je sais pas à quoi il sert le, celui qui est à gauche. A priori, il doit servir à quelque chose, mais. Et à quoi, je ne sais pas. Ah bah oui, forcément. Si j'arrive de part au-dessus, ça ne marche pas. Comment on fait? Comment je fais là? Je vote pour. C'est pour la méduse. Je me refais une petite pause là. Petite pause détente. Je suis en train de bien me détendre là. Là j'ai toujours le. Hein? Non, mais je me détends bien. Attendez. Oh, oh les bâtards. Non, je suis détendu. Mais non, mais c'est pour me détendre. Arrêtez de croire que je vais mater des vidéos sur YouTube. Arrête. Regardez. Vous avez vu comment je suis mauvais? C'est vraiment pour la détente. Qu'est-ce que c'est relou ça? Ça c'est le truc. Ça c'est sûrement le truc le plus relou. Hein. Le machin là il sert à rien mais. Mais par contre pour vous la mettre, ouais, c'est nickel. Hein. Voilà, faut être bien à droite. Regardez. Putain. Ah c'était pas ça. Non mais regardez pas, c'était pas ça. Hein. Non, c'était pas ça qu'il fallait regarder. Oh non, bon là là, bon là. Off. Off. Mais non, mais je vais trop vite là, du coup ça marche pas. Ils ont pas prévu dans le jeu qu'on pouvait aller vite quoi. Genre ils ont pas prévu dans le jeu qu'on pouvait aller vite. Regardez, hop. Non. Bon, vous avez vu un peu ou pas ce qu'il fallait faire. Tout le temps raison, genius, voyons. Quoi?
Ok, super. Si même toi tu finis par le dire, je vais finir par le croire. Ah non, 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 comment, commence pas, hein. Putain, mais c'est de la merde. Pourquoi des fois ça passe, des fois ça passe pas. C'est méga heureux. Lou. Mais non, putain. Putain, le jeu. Je me casse. Bah, je vais de l'autre côté. Ah, puisque c'est comme ça, je vais de l'autre côté. Plus rien à foutre. Ah, plus rien à foutre. Oh, mais merde, c'est chiant. Ça, je vous jure, c'est le pire truc. La frontière entre tu me descends ou oh là là, ou tu me sautes dessus, voilà, c'est juste de la merde. Putain, j'arrive déjà pas à passer ça, quoi. J'arrive déjà pas à passer ça et le tableau, il fait au moins 2 km de long. Hein. Alors le jeu si tu me proposes d'être moins dur, je te casse la gueule. Comme ça. Hein. Le costume Tanuki blanc, oh là là. Pas de merde. Ça va Madeline? On y est presque, mais ça paraît impossible. Allez, encore quelques essais. On peut y arriver. Putain, le jeu me troll. Oh les connards. Oh les connards. Ah vraiment, hein. Ils ont implémenté un compteur de mort. Pour que quand t'es mort à cette fois, sur le tableau. Putain, mais arrête. Arrête le jeu. Jusqu'à maintenant, j'allais pas assez haut. Je crevais. Et maintenant, je vais trop haut et je crève en bas. Enfin, merde quoi. Merde. J'arrive même plus à parler quoi. J'arrive même plus à m'exprimer. Mais regardez ça. Mais c'est de la merde. Avant, j'allais pas assez haut. Courage, c'est bien, ouais, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Ouais, ça doit être ça. C'est de l'encouragation, évidemment, évidemment. Hop, il a rebondi en haut. Parce que pourquoi pas? Mais faut faire comment? C'est pas comme ça. Faut que je fasse une diagonale? Putain, ça allait tellement vite là. Ah, attendez. Oh merde.
Enfin, j'ai cru que ça allait pas passer. Hein. Putain, faut que je fasse ça, je pense, mais plus tôt, quoi. Et sans hésiter. A priori. Peut-être. Merde. Je me suis vu dessus. C'était une connerie. Ça y est, je pète un plomb là. Oh mais merde, j'arrive même pas à aller sur un putain de trampoline là. Mais non, mais je voulais faire une diagonale. Je voulais faire une diagonale et j'ai pas fait une diagonale en fait. C'est pour ça. Oh là 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 là. La moindre petite erreur. Hein. La moindre erreur. Et direct le jeu il te dit ah bah regarde. Tu t'es trompé. Et ouais, tu t'es trompé. Regarde comme ça le jeu, il fait... T'es gouré, hein. T'es gouré. Bah voilà. Bah t'es mort. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Oh non mais faut faire quoi après? Non mais... Non mais à un moment faut que ça s'arrête quoi. Hein, faut... Vraiment hein. Il est très bien le jeu mais à un moment faut que ça s'arrête. Hein. Bah, c'est de la surenchère. Non, ça va pas le faire si ça le fait. J'étais trop petit. C'était trop petit là. À un moment la surenchère c'est rigolo mais bon faut savoir s'arrêter quoi. Vous savez, c'est pas parce que vous aimez les plats épicés que derrière on met trop quoi. Et sinon c'est pas bon. Mais non, faut d'abord que je... Je sais pas en fait. Je me dis ouais, peut-être, mais en fait non, je sais pas. Trop bas. Ah non, c'est bon, c'est passé. Trop rapide. On me l'a souvent dit. Anthony trop rapide. Et là ça s'avère vrai quoi. Quoi? Attendez, je me repose un peu.
Ah, je me repose bien là. Oh là là, les poignets. Oh là là, les poignets, ouais. Hop là. Ouf, oh, je vais me reposer les poignets. Tac, tac. Vraiment. On y est presque. Enfin, je... Maintenant que je suis reposé... Je fronce bien les sourcils pour quelqu'un qui se détend. Non, non, mais c'est parce que c'est de la détente active. C'est... C'est un truc, c'est un nouveau truc de la lithothérapie là. Là j'ai sorti mes pierres. J'ai sorti mes pierres et puis hop. Je me les suis posées. Hop. Là où ça détend. Et après je réfléchissais au sens de ma vie. Ah ! Le sens de ma vie. J'arrive plus. Ça y est, j'arrive plus. Oh, mais non, mais c'était une diagonale, ça. C'était pas un truc droit. Oh. Ouf, ça pouvait piquer le cul, ça. Hein. Tu crois à la lithothérapie? Ah, mais tellement pas. Non mais les gens qui se mettent des pierres là sur les gens qui se mettent des pierres sur le corps là et puis ça y est, ça a soigné les maladies. Comment dire? Ah, par contre oui, je crois qu'effectivement les gens qui vendent ça ils vont beaucoup mieux eux. Par contre ça oui, ça j'en suis persuadé. Ça j'en suis persuadé, c'est que les gens qui vendent des pierres à 500 balles. Des trucs en plastoc. Effectivement, ouais, non, je pense que eux, par contre, vont très bien. Tout est ok. Hein. Et que même s'ils sont malades un jour, bah finalement, ils auront les ronds de toute façon pour se soigner. Donc, mais non, la lithothérapie, quoi. Non, mais. Le pouvoir des pierres, quoi. Sans blague. Sans blague. Il n'y a pas plus inerte qu'une pierre, quoi. C'est. C'est ça, il y a. Y a pas plus inerte qu'une pierre. C'est du minéral, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça vous fasse à votre corps? Non, ça ne va pas soigner votre cancer, hein, clairement. Merde, j'ai refait la même. Hein. Après, voilà, je mets ça sur le même... Je mets ça sur le même truc que croire en une déité, en fait. Si les gens y croient et que ça leur fait du bien, c'est cool. S'il leur arrive quelque chose de grave et qu'ils se basent que là-dessus pour essayer d'aller mieux, là ça me pose problème. Là c'est plus des méthodes de charlatan. Et là ça me pose un vrai problème. Oh non, j'ai touché quoi. Ma fille criait, j'ai rien compris à ce que tu disais sur les pierres. Putain, ça fait 5 minutes que... Ça fait 5 minutes que j'en parle. Tu me poses une question, tu me poses une question, je réponds. Et t'es pas là quand je réponds. C'est quoi ces parents qui ont des enfants qui crient là? Hein?
Et je ne sais plus faire de diagonale, c'est ça en fait. Et heureusement que la musique elle est bien. Oh. Putain, ça passe. C'est des parents qui ont une cheville blessée et qui sont KO. Ah, bravo, hein. Ah, bravo à la parentalité, hein. Donc oui, je disais que la lithothérapie, non, c'est, j'y croyais absolument pas. À ce moment-là, je pense à Bibi qui vit l'enfer au quotidien. Ouais. Donc oui, je disais que je ne croyais absolument pas qu'il n'y avait pas plus inerte qu'une pierre, donc les pierres qui vont vous soigner et faire guérir votre cancer. Oui, non, je trouve ça que c'est complètement con, à titre perso. Mais je mets ça sur le même plan que de croire en une déité. Donc chacun voilà, croit en ce qu'il veut. Tant que ça reste ok quoi. Mais genre les gens qui ont un cancer et qui disent ah là là non mais je vais me mettre 3 améthystes dans le fion et un rubis dans la bouche et ça va me soigner mon cancer. Là par contre les gens qui leur conseillent ça, pour moi c'est la tôle directe. Hein. Vraiment. Putain, mais merde, une diagonale, bordel, c'est pas compliqué, fais chier. Oh là là. Oh voilà, bah il veut plus. Voilà, est-ce que tu étais là du coup pour entendre mon avis sur la lithothérapie? Je vous promets, Acerbaré, ah non. Boiron. Attendez, j'arrive. Putain, Boiron et Veleda ne sont pas en prison pourtant, alors qu'ils vendent du sucre. Bah ouais, je sais. Mais parce que c'est des... Parce que c'est des sociétés qui étaient là depuis... Non mais je crois autant à la lithothérapie que... En l'homéothérapie. Hein. L'homéopathie. Oh putain, ta merde. Donc, ouais, le même truc quoi. C'est si on vous dit allez-y, prenez des granules de sucre, ça va soigner votre rhume. Moi ça me pose absolument aucun problème, voilà, bon, c'est qu'un rhume quoi, on s'en fout. Quand on commence à vendre des traitements comme ça aux gens, allez-y, ça va soigner votre cancer, là tu dis... Là y'a un truc quoi. Oh putain de merde. Oh, si les gens veulent... Si les gens veulent dépenser du pognon... Mais je suis une nana sur Twitter qui travaille en soins palliatifs et qui récemment a eu une patiente, donc soins palliatifs hein, en fin de vie, hein, on est d'accord. Hein. Et qui récemment a eu une patiente en fait qui venait parce que phase terminale d'un cancer. Merde, j'ai pas... Putain, oh putain, j'y étais... Comment j'ai fait pour me foirer ici? Oh putain. Et ça me pose un souci aussi parce que ça systématise la prise de médicaments pour... Oui, effectivement, il y a ça. Mais derrière... Alors, on va parler d'une autre chose. Attends, je vais lire ton autre phrase d'abord. Merde. Et génère des réflexes sur le fait de prendre une pilule pour tout et n'importe quoi. Ah, effectivement, il y a de ça. Mais... Il y a un autre truc qui est quand même assez positif avec l'homéopathie, c'est que tu vas chez ton médecin, il y a des gens qui vont aller chez leur médecin et qui veulent un truc en fait, à sortir du médecin.
C'est tu arrives, tu as un rhume et tu dis ah là j'ai un rhume, blablabla. Et si le médecin te dit, moi ma soeur a été comme ça, hein. Karine, si tu me regardes, si c'est des virus, bah, globalement il y a rien à faire que d'attendre que ça passe quoi. Enfin, tu peux traiter les symptômes quoi, mais derrière le virus il s'en ira pas tant que ton système immunitaire n'aura pas fait le taf quoi. Et il y a des gens bah, qui veulent un truc quand ils sortent de chez le médecin quoi. Et donc, bah, ce qu'ils veulent, c'est un traitement, quoi. Et donc, soit tu leur files... Merde. Oh, putain, c'est pas... Oh, ok, faut le faire une fois, quoi. Génère des réflexes... Ah, voilà, et bien éduquer les gens, bordel. Bah oui, mais le problème, c'est que l'éducation en France, je sais pas si t'as vu ce que ça devenait, mais c'était pas ouf, quoi. Et donc, il y a des gens qui veulent... avoir un traitement. Donc est-ce que tu vas filer par exemple des antibiotiques à quelqu'un qui a un virus pour le contenter et donc créer des antibiorésistances sur les bactéries qu'il peut avoir, ouais, qui n'ont rien à voir avec le virus hein, mais qui vont créer des antibiorésistances parce qu'on sait que plus on consomme d'antibiotiques plus il y a d'antibiorésistances et ça devient un problème parce que là on commence vraiment à avoir des bactéries multirésistantes et que peut-être que dans 20 ans on crèvera, parce qu'on s'est ouvert un peu la jambe parce qu'on n'aura plus d'antibiotiques pour contrer les bactéries. Ou tu leur files un truc d'homéopathie qui va strictement rien leur faire, qui va pas créer de problème derrière, sauf si les gens en boulotent beaucoup, vous pouvez faire du diabète. Faites attention. Mais tu leur expliques que ça sert à rien, et s'ils veulent un truc, tu lui fais une prescription de Haribo. Bah ouais, mais non, ça ne marche pas. Parce que là, l'effet placebo ne marchera pas. Mais bah ouais, non, mais on est d'accord. Mais il y a pas mal de gens, en fait, qui veulent un truc à la sortie du médecin, quoi. S'il leur dit, bah votre rhume, il passera tout seul dans 7 jours. Mais c'est ça qui est rigolo avec les trucs de avec les trucs d'homéopathie en fait. C'est que tu regardes les notices, c'est ah vous avez un rhume, prenez machin pendant 7 jours et au bout de 7 jours ça ira mieux. Et voilà. Bah ouais en fait, mais c'est juste ton système immunitaire qui a fait le boulot et ton rhume il est fini parce que ton rhume il a 7 jours quoi. Alors il y a un petit effet placebo quand même qui joue, mais effectivement si c'était une granule de rien du tout, merde, ça marcherait aussi bien quoi. Mais si ils ont des compétences en médecine, parce que la plupart des homéopathes sont des médecins. D'ailleurs, vous êtes obligé d'être médecin, d'ailleurs. Ah, pour les gens. Ah ouais, mais alors, il y a deux choses. Enfin, du coup... je suis d'accord avec toi. Sur le fait que les gens sont pas médecins, c'est pas décidé. Là-dessus, totalement d'accord. Mais derrière, il y a le contre-pied de ça, que les médecins, pendant des années, il y avait le savoir du médecin, et les patients avaient aucune information. Et les médecins étaient très contents que les patients leur demandent jamais rien. Jamais de compte. Ils n'avaient pas à rendre de compte, les médecins. Et ça me pose problème aussi, en fait. Les médecins ont des comptes à rendre aux patients, quoi. Si moi j'arrive et puis que je demande à avoir une explication, je suis en droit d'avoir l'explication. Et le fait de dire, c'est un médecin, c'est lui qui a la connaissance, démerdez-vous, c'est pas un bon truc non plus, quoi. Donc, enfin... Après, faut que ça soit un dialogue, en fait. Faut que ça soit un dialogue avec le médecin. Moi, enfin, je sais que là, je suis allé chez mon médecin dernièrement. Et je l'ai fait marrer, parce que je suis arrivé, et puis il me dit, bah, qu'est-ce que vous avez? Et je dis, bah, pas grand-chose, mais je viens faire une malice de course, quoi. Et, mais on a discuté... Moi, je lui ai demandé, et je fais, bon, voilà, faut que ça soit en accord avec vous, mais... Et donc, voilà, je lui dis, bah, je voudrais bien faire un bilan sanguin, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je pense que je suis en carence de vitamine D parce que j'ai pas vu le soleil depuis 1912. Et voilà quoi. Et donc il m'a dit bah moi c'est ok. Donc il m'a fait mes ordonnances. Mais tu vois je suis arrivé en demandant quelque chose. C'est pas un bon schéma non plus quoi. Le patient qui arrive en disant bah je veux ça, allez-y. Faites-moi ma prescription, je vous fais votre chèque et puis on en parle plus quoi. Mais...
Putain, mais c'est quoi là? Ah d'accord, on peut tirer vers le bas. Oh. Mais si le jeu nous dit pas qu'on peut tirer vers le bas. Quoi? Ah oui d'accord. Oh. Putain, c'est horrible. Quoi? Hein? Attendez, non mais non mais non. Faire. Oh c'est bas. Putain. La formation Planète Homéo est ouverte à tous. Pas besoin d'être médecin pour être homéopathe. Ah ok, bah tu vois, je savais pas. On va faire un bilan sanguin. T'as fait régulièrement, je vais chez ma médecin avec mes demandes aussi. C'est une demande. Pas une exigence, ouais, voilà, on est d'accord. Mais donc, tu vois, faut trouver un juste milieu entre le médecin à la connaissance et le patient a strictement rien à dire, et les patients exigent quelque chose et le médecin est obligé de les donner, quoi. Elle m'explique aussi si elle est cohérente ou non, et je respecte son avis. Ouais, voilà, c'est ça, faut que ce soit un dialogue, en fait. Mais je pense que pendant des années, il n'y a plus de dialogue. Voilà, on peut parler consentement aussi. Hein, le fait que les médecins vous disent « Allez, vas-y, fous-toi à poil et je t'examine. » Bah non, enfin derrière, il y a... Non, faut demander le consentement, quoi. L'article qui était sorti sur les nanas qui se font opérer et tous les internes en gynécologie qui se pointent pour faire des touchés vaginaux pendant que la meuf est... Enfin, la personne à vagin, d'ailleurs. Et endormie, bah... Enfin, non, quoi. Ça, faut que ça s'arrête. C'est non. C'est non. Donc voilà, il y a des... Il y a des côtés où les patients abusent. Ça fait des années, quand même, que les médecins abusent. Et il y a des comportements que les médecins ne doivent plus avoir, quoi. Putain. Et j'ai viré la méduse, là, je suis... Attendez, je vais me reconcentrer, là. Je vais me reconcentrer de manière très sérieuse et très forte. Concentration. Pour faire quoi? Putain, faut la lâcher. Non mais il est horrible ce niveau. Putain, mais ça continue encore. Ça continue, mais vous avez pas idée. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Et je l'ai su rien qu'en me concentrant comme ça très fort. Mais du coup, ouais, j'ai paumé ma méduse, là, en fait. Donc là, c'est mort. Là, c'est juste mort. Je suis ravi. Je me suis bien fait baiser.
Oh merde. Ah merde. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Hein. Ça s'arrête à la fin. Ouais. Et donc voilà, après, toutes les... Pardon. Putain, ça y est, c'est quart d'heure au toto qui arrive. Salut les Léoïdes, ah, tu arrives au mauvais moment. C'est le moment où je faisais un rototo. désolé. Hein. Ça n'a rien à voir avec ton arrivée sur le chat. Mais ça fait extrêmement plaisir. Hop, de te voir sur le chat. Hein. Pas de roté. Hein. Je ne prends pas plus de plaisir que ça. Ah, lâcher des roues en stream. Bien que ça arrive. Je prends. Ah, je le prends bien. Ok, super. Merci beaucoup. On va y arriver. Non. Oh, bon, bah, on arrête. Là. Oh, ouais. A priori, c'est le dernier tableau. Hein, a priori. Si je ne me trompe. Sonyop semble heureux de t'accueillir avec des roues. Quelle indignité. Ouais. Tu m'avais dit que c'était étendu, je le constate. Oui, bah là on parlait homéopathie juste avant. Avant que je fail. Ah mais tu fais partie des... attends. Tu fais partie des personnes qui ont follow après le stream de vendredi, c'est ça? Non? Oui, peut-être. Probablement, je ne sais pas. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Non, merde, on n'est pas sur YouTube. Ah, désolé, YouTube. Ah, oh. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Ok, bon. J'étais avec toi. Ah mais oui. Oh là là, mais quel con. Désolé. Oui, effectivement. Effectivement, c'est Mathieu. Ouais, désolé, j'avais pas retenu ton pseudo. Et là c'est le truc, oh là là. Et là je vous promets, si je me fais toucher je pète un plomb. Tout à l'heure j'ai réussi du premier coup, là je vais péter un câble. Alors attendez. Lâcher de méduse. Attendez, lâcher de méduse, après faut que je parte en commando suicide là. C'était vraiment cool un hein, vendredi. Hein. Tu révèles les prénoms de tout le monde en live, c'est fou. Mais non, mais il l'a dit, on l'a dit. T'étais pas... ah non, t'étais peut-être pas... Non, t'as pas regardé Melzical. Est-ce que t'étais chez FabFlow toi vendredi Melzical? Je ne sais plus. Mais oui, donc on a été présenté comme Mathieu et Anthony, donc voilà. Il n'y a pas eu de... Et effectivement, bon, de temps en temps, ça m'arrive de lâcher les prénoms en direct. Bon, les gens m'en veulent pas plus que ça, quoi. Excuse-nous, Marion. Oh, c'est bon, ça passe. Non, mais... Ce jeu de ouf est tellement bien. Tellement bien mais tellement chaud. Non, il est parti de l'autre côté. La team snip snip, exactement.
Non, non, c'était vraiment chouette ce live vendredi, moi j'étais content. De comment ça s'est passé et tout. Merde. Je suis fier de toi. T'as pas révélé le mien. Si. C'est Silent. C'est Silent. Ton prénom c'est Silent et puis ton nom c'est Genius. Putain de merde. Voilà. Oh là là, j'y suis allé pleine balle quoi. J'ai toujours pas fait de pause hein. J'ai toujours pas fait de pause dans ce live de ces morts là. Voilà. Oh yeah. Oh putain, merde. Une diagonale. Sois pas con, fais une diagonale bordel. Ah, je l'ai quasiment sauvé hein. C'est le quasiment qui est très important dans cette phrase. C'est le quasiment quoi. Ah mais ils ont vraiment fait un tableau sans checkpoint quoi. Le truc est immonde. Il y a genre zéro checkpoint hein. Hop. Mais non. Putain. Il a déjà donné ton prénom et ton nom en live, tu sais, Silent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je le connais même pas alors. Enfin, je crois pas. Je crois pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas vrai, Silent. Elle raconte que des bêtises, mais Ezekiel, elle veut semer la discorde entre nous. Ne l'écoute point. Oh merde. Ou devrais-je dire Sophie Guimau? C'est qui Sophie Guimau? Oh putain, je l'avais pas encore pris, d'accord, ok. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis un connard. Ça va plus vite hein, le début quand même. Ça y est, on commence à l'apprendre, c'est bien. Hein. Putain de merde! Pourquoi des fois ça passe pas? C'est chiant. Voilà, ça par contre, je sais pourquoi ça passe pas. Ouais, ouais, non, bah, non, non, non. En fait, j'ai attendu. J'ai mis une pause, je sais pas pourquoi. C'est mon cerveau, il a bugué. Ça y est, mais je commence à fail là-dessus, c'est pas bon. Putain, mais j'y étais presque. J'ai trop fait le con. Enfin, j'étais presque à la suite, hein. Allez pas croire que j'étais à la fin. Hein. Putain. Putain, j'ai réussi à le sauver. Oh,
Non mais c'est... qu'est-ce que j'ai foutu? Mon pseudo est... attends, son pseudo est un G, je suis sûr d'avoir raison. C'est même toi qui l'a dit une nuit. Dans mes rêves possibles, je ne sais pas. Ah tu rêves... genre tu rêves de moi. Genre Melzekiel, tu rêves de moi. Est-ce que tu rêves que je suis bon aux jeux vidéo ou pas? Merde, trop vite. Je cauchemarde plus que rêver. Et ça a dû arriver. Merci. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Ok. Oh, puis j'ai tellement envie de pisser, je vous raconte pas quoi. YouTube, je vous laisse là et je reprends tout de suite en live, mais là je fais une petite pause sur YouTube. Ça fait déjà 2h45, c'est beaucoup trop long et je vais faire un petit pipi. Bisous.